J'invite John Dixon Hunt à rejoindre la tribune. Alors, John Dixon Hunt, c'est un historien, grand théoricien de l'art des jardins et du paysage, professeur émérite d'histoire de théorie du paysage à l'université de Pennsylvanie. Et je salue au passage la présence au premier rang d'un grand ami français de John Dixon Hunt, qui est Bernard Lassus. Mesdames et messieurs, pendant les deux dernières décades aux États-Unis, on a observé un nouveau phénomène dans le paysagisme qui a été dénommé landscape urbanism. Ce phénomène a donné lieu à deux ouvrages dont le but était de définir ce landscape urbanism. Charles Waldheim a inventé le terme. Et James Corner, un étudiant, puis un collègue de moi à l'Université de Philadelphie, se sont prononcés sur ce nouveau paysagisme. Dans l'introduction de son livre « À droit », Waldheim a écrit « L'organisation des surfaces horizontales et infrastructures territoriales remplace la concentration compacte et la fabrique architecturale des villes traditionnelles. Dans cette nouvelle formulation, le paysagisme entend plus que les jardins ou parcs. Il comprend aussi les grands chemins, les sites industriels, les besoins d'une population explosive. » On remarque ici qu'il insiste sur la nouveauté. Mais une organisation des surfaces horizontales n'est pas nouvelle. Et l'idée étrange que le paysagisme n'a pas joué un rôle en dehors des parcs et jardins, c'est assez curieux. Également, landscape urbanism doit faire appel à nombreuses disciplines, comme James Corner l'a défini, et plus sagement, je crois. Je cite, « C'est une proposition de conflation et d'unité disciplinaire. » Quoiqu'une unité qui contient et contrôle différence. Mais ces formulations, ces provocations, tellement à mon avis un peu opportunistes, étaient déjà annoncées en détail par le livre ambitieuse et considérable d'Alphonse, qu'il a dirigé pour célébrer l'œuvre de Haussmann pour l'empereur. En 1910, quelques architectes paysagistes travaillant aux États-Unis se sont unis à des collègues européens pour éditer un numéro de Topos à propos de landscape urbanism. Bien que quelques-uns d'entre eux, surtout les Européens, aient exprimé le scepticisme sur le point de savoir pourquoi et même comment, C'est un développement nouvel pour tout. J'ai même rencontré des étudiants chinois qui sont décidés de venir aux États-Unis précisément pour suivre un cours de landscape urbanism. Ils sont frustrés que ça ne constitue pas la réalité de ces cours, malheureusement. Bien que ce mouvement continue à pratiquer le paysagisme traditionnel, le landscape urbanism reste difficile à définir. Ceci en grande partie parce que sa dénomination professionnelle a changé à deux reprises. La dénomination proéminente du landscape urbanism était la manière de renommer à plusieurs reprises, le rôle nouveau des professionnels, même l'appellation du bureau. Quelques professionnels ont vite changé la dénomination et sont désormais les landscape urbanists. Les paysagistes, au moins aux États-Unis, ont joué aussi avec le nom ou le titre ou s'ils souhaitaient adopter selon ce qu'ils faisaient. Au XIXe siècle, la phrase habituelle était « landscape gardening », une locution insistant sur le sens du jardin, par exemple « théorie des jardins » de Morel. Mais à la fin du XIXe siècle, ou bien souvent après,
La dénomination a changé pour devenir landscape architecture, or landscape architecture, excusez-moi, je devrais parler anglais, landscape architecture, afin d'insister sur un nouveau rapport entre les paysagistes et l'architecture, pour donner une équivalence aux les deux. Peut-être la façon de faire les jardins était pour les professionnels une question plutôt à ce moment-là de l'architecte et de l'architecture. Dans ce jeu de synonymes, l'idée de jardin était trop élitiste et trop focalisée sur les projets privés pour les satisfaire les paysagistes. Pendant les deux décades récentes, des changements étonnants ont été proposés. D'abord, landscape architecture est devenu landscape urbanism, donc le mot architecture a disparu. Puis, landscape urbanism a été brièvement modifié en ecological urbanism. Ainsi, aucune notion de paysage et d'architecture ne demeure présente. Probablement parce que certains pensent que les paysagistes ne peuvent pas être suffisamment écologiques. Après ces jeux, nous ne savons pas si la profession reconnaît ses racines dans la tradition des jardins, en y incluant les théories et pratiques nouvelles du 19e et 20e siècle. Cependant, c'est un appel qui en a séduit plusieurs, qui se pensaient fatigués parce qu'ils le regardaient comme un paysage défunct. L'objet du landscape urbanism s'adresse au paysagisme à l'échelle des villes, d'où son orientation vers l'urbanisme. Mais si le landscape urbanism réalise des choses nouvelles, le praticien refuse à constater qu'il continue à faire les mêmes réalisations que certains architectes paysagistes avaient déjà réalisées au moins pendant une centaine d'années. La démarche du landscape urbanism a fait quelques gestes un peu désespérés et peu créables vers l'exemple du passé. Peut-être c'est pour rendre la version américaine plus convaincue. Machu Picchu et un diagramme d'Angkor au 8e siècle. Les places autour de l'église dans les anciennes villes, telles que Venise. Mais c'est intéressant de constater qu'aucune référence n'est faite aux promenades de Paris. C'est assez étonnant. Mais sans doute, le manque de traduction en anglais de ce texte important a-t-il empêché un tour d'horizon complète d'exemples internationaux et anciens du soi-disant landscape urbanism. Si l'on devait faire un commentaire sur l'Amérique du Nord, cela nous ramène, d'après l'essai de Hubert Damisch dans la ville Narcisse, au mythe de Narcisse, qui ne regarde que sa propre image dans les eaux. La propagande américaine du landscape urbanism a monté ce que John Maynard Keynes a écrit pour l'économie. Il a éclairé que le problème n'est point d'avoir des idées nouvelles, mais de savoir oublier. Si tout paysagisme est finalement question d'internationalisme, il faut également souligner qu'Alfond a distribué ses livres dans les villes les plus importantes des États-Unis, par lesquelles Philadelphie, qui garde toujours son ouvrage dans la Free Library, la bibliothèque libre. Le manque d'intérêt envers le passé est frappant. Un seul exemple suffit peut-être de la saisir. La High Line à New York est une œuvre architecturale, urbaine, magnifique, qui a eu un grand succès, presque trop, et qui a été citée partout comme exemple du nouveau landscape urbanism.
Cependant, la High Line découle en partie de la promenade plantée à Paris. Je dis découle puisque sa culture locale, son genius local, l'imagination créative du projet de Field Operations, la rendent intéressante et différente que celle de Paris. Elle a été invoquée comme quelque chose à imiter n'importe où, sans prendre en compte les autres circonstances locales. Mais c'est plus important que la High Line ne nous interroge pas sur l'ensemble New York. Ce n'est donc pas ce que Alphand a proposé de faire dans ses promenades de Paris, c'est-à-dire tenter de comprendre comment la ville entière pourrait être réimaginée et refaite. Alphand a aussi compris que son propre travail, sûrement basé sur une connaissance approfondie des réalisations du passé, est quand même radical et radicalement nouveau. C'est très clair dans l'introduction des promenades de Paris. Les promenades de Paris, œuvre que lui et ses confrères avaient exécutée pour Haussmann sur les auspices de l'empereur, était un précédent important, même avant-garde, pour les visions de nouveaux paysagisme nouveau. Voici mon sujet. Que cette édition française est devenue effectivement un recueil, un répertoire pour toutes les interventions de landscape urbanism. Les idées ignorées sur le landscape urbanism étaient évidentes au cours d'Alphand. Dans son introduction, liée au passé professionnel, et présentée dans les graveurs choisis pour montrer des antécédents utiles pour Paris. Et parmi eux, le rôle que le jardinage aristocratique offrait pour les parcs et les jardins publics, et les nouvelles contributions que la nouvelle Office des plantes et horticulture proposait pour les parcs. Alphand reconnaît que l'aphorisme latin ancien « dulce et utile » pouvait encore orienter les espaces urbains, que ce dialogue demandait aussi un degré d'imagination, d'invention, qui faisait de « dulce » quelque chose de nouveau pour les espaces modernes et de l'unité de la ville. De plus, l'influence ancienne du théâtre pour les jardins, ses formes et l'échange entre les acteurs et l'assistant pouvaient contribuer d'une façon tout à fait convenable à un nouveau Paris. Et à mon avis, le théâtre doit beaucoup plus pour Alphand que la peinture. Les adhérents du landscape urbanism considéraient le paysagisme comme plus important que l'architecture. Mais ce n'est pas la première fois que cette prééminence est plaidée. Malgré tout, la promenade est semblable à la vision portée par Alphand dans les promenades de Paris. Bien que celle d'Alphand a eu du succès et un classement beaucoup plus exigeant et réfléchi. Au lieu des propositions et formulations, les mots de Waldheim et Körner, au lieu de ces propositions et formulations, les promenades à Paris, une œuvre fondamentale parmi les prédécesseurs du landscape urbanisme, offrent dans son tableau synotopique des idées et des éléments achevés, une unité qui contient et contrôle l'ensemble d'une nouvelle vision de Paris. Alphonse lui-même commence son mémoire sur la création de Paris par le rappel de la longue histoire du paysagisme. L'introduction d'Alphand présente plusieurs moyens et concepts comme base de son paysagisme urbanistique. D'abord, il passe en revue les idées du passé, sélection bien sûr,
mais dédié à des propres formulations pour les promenades parisiennes. Alphand constate que l'art des jardins est atavique, mais constamment dédié à chercher les formes et pratiques du passé pour le moment actuel. Mais son choix des gravures et son commentaire sont clairement dédiés à leur importance pour le professionnalisme actuel. Cette méthode théorique et historique est précisément ce que décrivaient plusieurs écrivains historiens sur les jardins et paysagismes, comme Stephen Switzer et Horace Walpole en Angleterre, ou Jean-Marie Morel et Édouard André, tous les deux qui préfacent le traité par l'histoire de le métier. André a dédié son livre à Alphand en 1979. Pour Alphand, toute forme de paysagisme régulier ou irrégulier doit être fondée sur l'étude ou l'analyse du site. Il écrit: le relief du terrain est une première chose à étudier, surtout quand le terrain est nu. Elle doit indiquer le mouvement des vallées, déterminer le lit des rivières, l'emplacement des pièces d'eau, c'est-à-dire les parties capitales du plan. Les accidents naturels ou endémiques du site déterminent les aspects principaux de son design. Au contraire, pour lui, et je cite, « composer un relief fantaisiste, voire invraisablement, c'est un mauvais projet qui aboutit presque toujours à une déception après d'énormes dépenses. » Ce sont exactement les mêmes concepts que Morel, formé aussi à l'école des Ponts-et-Chaussées, et les premiers qui s'est décrit lui-même comme architecte paysagiste. Avec la coopération de ses collègues, surtout celle de paysagiste Paris-Deschamps, Alphand a déployé, quand le site le demande, toutes les régularités et irrégularités, incluant même celles qui pouvaient contribuer à un relief surprenant, même fantastique, site pour enrichir leurs aspects, peut-être comme les bouts de chemin. Alphand prend au sérieux l'ancien concept de genius loci, en même temps philosophique, conceptuel et pratique. Il poursuit le génie du lieu en des grandes et des moins occasions. Les deux bois de Vincennes et de Bologne sont différents sur leur ancienne occupation. Des fortifications à Vincennes et un milieu aristocratique à Boulogne, surtout les formes de paysage à ce dernier qui permettaient la chasse, les larges allées qui entrecroisaient la forêt. Alphand, maintenait une ambiance militaire à Vincennes et à Bologne introduisent les formes les plus modernes à la mode, des grottes, des sentiers sinueux. Et les sinueux pour encourager le mouvement. Le mouvement est pour lui important, surtout. Les sentiers sinueux, des lacs, un répertoire pittoresque, mais pour moi, à mon avis, le pittoresque n'est pas une question de peinture, c'est une question de mouvement. Mais ces styles de jardin ne sont limités aux deux bois parce qu'ils étaient introduits dans la ville avec un choix des formes propres au jardin, plus intime et nuancé. Le facteur qui nous semble important et caractéristique de Paris aujourd'hui était les squares, déterminé par l'empereur Napoléon III. Pendant son exil à Londres, le futur empereur admirait les places, où les Anglais appellent squares,
ici sur la carte de Gwyn faite en 1766. Et vous voyez tous les squares, the squares, ou les places en Angleterre. Mais les squares parisiens sont différents de celles de la capitale britannique. À gauche, la Britannique, à droite, celle à Paris. Car elle était d'abord plus démocratique, ouverte à tout le quartier sélectionné pour les établir. En même temps, comme pour les deux bois qui mettent Paris en paradise, Alphonse classifie les quartiers par les différentes couleurs locales. Et souvent, il représente les caractères soit des... il prend la caractère pour ses squares, soit par des monuments et des ruines, soit des formes du dessin pour les sentiers, les pelouses ou les compositions végétales. Dans les promenades de Paris, Alphonse souligne une esthétique qui cherche la variété en exigeant également que ces squares sont durables, mais tout sont variété. Les graveurs employés donnent d'autres exemples du génie local d'ailleurs. Je vous montre ici à gauche le square Montelon près de Gare de l'Or. Mais ces caractéristiques continuaient à marquer Paris parce que le square Montelon peut voler en haut et reformé dans le XXe siècle. Et dans ces dernières années, ici au jardin d'Amiens, dans le 13e arrondissement, un jardin, mais quand même un nouveau square pour un arrondissement qui n'avait pas eu un square. La préoccupation de durabilité et de variété se manifeste dans tous les ameublements des rues qui Alphonse présente dans les promenades. Étant donné que beaucoup de ces créations sont encore visibles à Paris, je m'en dis les grilles. Les grilles sont différents à chaque fois qu'il doit mettre les grilles. Étant donné que beaucoup de ces créations sont encore visibles à Paris, ce paysagisme urbain d'Alphonse contribue encore aujourd'hui à l'image de la capitale. Un troisième accent porte sur son paysagisme. Bien que cette tradition ait commencé dans des zones rurales, elle est maintenant présente partout dans la ville, en transformant tout espace, toutes sortes d'espaces. Les routes de campagne qui approchent certains villages étaient marquées par des alignements des arbres, ainsi que les allées d'accès à certains châteaux et également à certaines grandes propriétés. Ce façon rurale était transformé pour les boulevards parisiens et les rangées des arbres, souvent mis en place pendant la nuit, donne une verdure instante à Paris. Et aussi les fleurs et des arbustes croisés et distribués par le secteur important de l'architecture de la direction des parcs et des jardins a donné au parc et square un aspect jardinesque. Mais Alphonse privilégie les grandes plantes plus architectural pour les grands espaces de ces graveurs qu'il fait dans les promenades. Finalement, au moins depuis la Renaissance, le théâtre a servi de modèle à la scénographie des jardins en tant que l'organisation de ces éléments, l'ancien sens du mot théâtre,
en anglais et aussi en français, veut dire la collection. Et puis, place pour les droits. Et également, le théâtre joue les rôles qui sont interchangeables entre acteurs et membres de l'assistance. Alphonse était attentif à ces traductions. Le frontispice du promenade est à la fois des cours, scènes et balcons ou loges dans un théâtre. Les gravures pour promenade donnent une impression de décor pour la scène urbaine. En plus, trois nouveaux théâtres sont construits. Deux en ville, le théâtre lyrique et le théâtre impérial du Châtelet. Et un troisième, le théâtre des Fleurs, dans le pré Catelin au bois de Boulogne, qui est surtout l'élément le plus puissant de cet agenda théâtral. C'est une salle habituelle, mais en plein air, entourée d'arbres et de végétation, illuminée la nuit par les becs de gaz. La scène qui vous montre là-haut est représentée comme un paysage irrégulier dont Alphonse a déclaré ça donnait l'impression d'une faune sans limite au bout. Oh, une autre image. Mais Alphonse peut offrir des occasions même lui-même ne dirige pas quand tout sont également et des comédiens et des membres du public. Pour lui, le théâtre urbain demande un échange entre comédiens et public. Nous sommes toutefois à la fois dans la ville les voyages, les voyeurs et les personnages remarqués. Dans un bâtiment qui n'est qu'un site pour assister aux pièces de théâtre, l'assistance est, pas d'habitude, mais pas toujours, silencieuse et respectueuse pour suivre le drame. Mais dans la ville, et ici c'est une gravure du parc Monceau, dans la ville, sur les boulevards, dans un parc Monceau, dans les allées du parc, sur les bancs du jardin, spectateurs et acteurs peuvent jouer eux-mêmes une pièce sociale. En conclusion, il faut dire que le paysagisme, surtout dans les villes, doit servir ce qui est pratique dans la vie, rendre disponible et faciliter les usages nécessaires. Mais comme d'autres artifices, c'est souvent une question d'invoquer la location latine dolce et utile, beau et doux et utile. Le paysagisme aspire à livrer une poésie plus distincte, plus riche. Comme Shakespeare a écrit, The truest poetry is the most feigning. La poésie la plus vraie est celle qui feint la plus. C'est-à-dire que la poésie la plus vraie est toujours imaginative, même fantastique. Je vous propose qu'Alphonse, sur tous ses sites, a mis en œuvre son imagination et que les promenades d'après sont son testament. Dans les deux bois de Vincennes et à Boulogne, il a établi le beau et l'utile, fournissant aux citoyens de Paris des espaces adaptés aux différents usages, en respectant les différentes catégories sociales. Mais c'est surtout dans les parcs de Monceau, au Montsouris. Et à Monceau, il a hérité de Carmentel, une théorie déjà imaginaire, et Carmentel était aussi un dessinateur pour le théâtre avant lui. Dans ces lieux, il a fait appel aux traditions du paysagisme et réalisé quelque chose de nouveau que je me risque à proposer, un relief fantastique. Merci.
Merci, Monsieur Dixon Hunt. Quelques questions peut-être dans la salle. Merci de nous avoir rappelé cette évolution aussi du métier, depuis le créateur de jardin, celui qui va aussi s'occuper d'urbanisme. Et puis le point d'interrogation ou l'inquiétude qu'on peut avoir quand landscape disparaît pour être remplacé par ecological urbanisme. Je crois que les gens qui ont joué avec les mots de ce qu'ils faisaient pour prendre seulement quelque chose de toute la tradition paysagiste. Et au fond, nous rendons connaissant de toutes les possibilités du paysagisme que landscape urbanism, à mon avis, ne fait pas. Quelques questions, des remarques. Merci pour votre intervention. Comment voyez-vous le lien entre la poésie et la prose? La poésie et la... Prose. Ah. Dans la relation, dans les paysages. Le prose... Poetry, prose. Non, les paysages d'Alphonse. Dolce et poésie. Utile et prose. Il faut combiner les deux. En paysage, même les parcs les plus ordinaires, comme Montelieu, par exemple, est une poésie pour quelqu'un, pour les jardins, pour les enfants, pour les gens qui veulent. C'est aussi un endroit prosaïque, mais il faut mélanger les deux. Comme j'avais dit souvent, n'est-ce pas? La poésie et la prose, c'est la même chose. Non? Est-ce que les moments poétiques sont quelque chose que le dessinateur a prévu toujours? Ou est-ce que le moment poétique se passe au promeneur? Le dessinateur peut imaginer une prose et une poétique. Mais pour moi, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle The Afterlife of Gardens, et Afterlife ne traduit pas facilement en français, c'est la vie des paysans après qu'ils sont faits, qui sont plus importants à mon avis, même que je parle à des paysagistes ici, est beaucoup plus important que les sites qui sont faits par les paysagistes. Ils sont merveilleux, mais c'est la vie de ces sites qui est beaucoup important. Et pourquoi nous sommes en train de célébrer au fond maintenant, c'est ces sites ont reçu un afterlife, une vie après la mort d'Alphonse, si vous voulez, après la mort même de son livre, qui est encore puissant, je crois, plus que Alphonse lui-même. Oui. Christophe Giroux. Oui, j'ai une petite question pour le public en général. J'aurais voulu demander à Judd Dixon Hunt pourquoi Alphand a-t-il été peu ou mal traduit en anglais? Il faut, Christophe, il faut que vous le traduisez. Je ne sais pas pourquoi. Ça serait assez facile parce que les graveurs pourraient être reproduits et le texte est magnifique et l'histoire du métier est parmi les meilleurs que je peux lire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis anglais moi, mais on parle pour les Américains pour le moment. Il ne veut pas. Il n'aime pas les choses étranges.
et je crois qu'Alphand, pour lui, est trop étrange. Et c'est un grand livre. Et pour un paysagiste américain, pendant les trois semaines précédentes, j'ai rencontré 5 paysagistes américains, très, très connus paysagistes, qui ne connaissent pas Alphand du tout. Et il faut avoir une traduction. Peut-être cela vient-il aussi du fait que s'il n'y a pas eu de traduction, c'est que au XIXe siècle, les Américains cultivés connaissaient le français, pouvaient lire le livre. J'en prends un exemple. Il y a un des grands architectes de la deuxième moitié du XIXe siècle américain qui est réputé de l'école de Chicago, qui est réputé être l'inventeur du gratte-ciel. Il s'appelle le baron de Genet. Le baron de Genet a fait ses études en France à l'école centrale où il est venu étudier quelques années, enfin 2 ans ou 3 ans après Gustave Eiffel. Et il a participé aux travaux d'Olmsted ensuite à Chicago, hein, en Riverside, etc., tout cela, parce que lui connaissait, il avait cette connaissance là et longtemps l'architecture et l'art des jardins aux États-Unis, les gens connaissaient le texte. Aujourd'hui, évidemment, très peu de gens aux États-Unis parlent français et sont encore capables de le lire, ce qui fait que, comme ça n'a pas été traduit, eh ben c'est comme ça. C'est l'oubli. Je ne sais pas, mais Christophe, demain, on va parler sur Olmsted et Alphand. Et peut-être il y a... Mais je suis sûr qu'Alphand peut soit... Parce qu'il a lu, ou il a sur quelqu'un qui a traduit ou montré, seulement montré les illustrations pour faire une grande influence. Quand même, l'université à Princeton avait, dans les années 70, republié en fac-similé, c'était Antoine Rimbach. Oui. Qui avait fait en sorte que cette réédition ait lieu. Oui, mais moi, j'étais formé en littérature et pour moi, les mots sont aussi importants que les images et c'est les deux qui marchent ensemble dans l'avant qui doit être connu par les paysagistes et les historiens des jardins. Ils sont les historiens en Amérique, historiens des jardins qui ne parlent pas aucune langue. Que la sienne, qui est, je suppose que la sienne est anglaise. Moi, je ne voudrais pas lancer le débat, ouvrir le débat maintenant, c'est un peu tard, mais les Français n'ont pas traduit Olmsted. Non plus. Comment ? Les Français n'ont pas encore traduit Olmsted. Ah. Voilà. Ah bon ? Ça, c'est une... Mais nous sommes en train de traduire Morel, par exemple, pour la première fois en Angleterre. Pas ma femme. Non, c'est très important. Le paysagisme est un mode international. Universel. Même sur tout, chaque site a des racines dans une terre locale. Il apporte les idées de partout. Et ça, c'est très important de constater. Question, Rosa. Merci à plusieurs titres pour votre communication, notamment celle de commencer par une question contemporaine et pour la mettre en perspective dans l'autre sens, à rebours, grâce à la figure d'Alphand telle que vous la présentez. Et il me semble que c'est une entrée importante
dans ce colloque qui vise justement à faire de cette figure historique quelque chose d'actuel et de le, pas de le réactualiser, au contraire, de voir ce qui doit être repris, ce qui doit être critiqué pour aller vers le demain, vers le Grand Paris. Ma question est peut-être un peu, voilà, ça concerne ce que vous venez de dire sur le jardin pittoresque qui n'est pas basé sur la peinture. Il n'est pas question de peinture, vous dites, mais question de mouvement. Et je trouve ça très intéressant, très pertinent justement au titre de cette réactualisation de l'histoire ou de cette ouverture vers le futur d'une certaine histoire. Et je me souviens de l'un de vos anciens articles où vous disiez que le pittoresque, le jardin pittoresque, relève de l'action du promeneur. Voilà. Est-ce que, si ma mémoire est bonne, après j'attends avec votre réponse. Donc, comment passer du mouvement à l'action? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de cette idée d'action dans le jardin? Est-ce que le promeneur, il est juste spectateur et acteur de ce spectacle en même temps? Ou on peut aller beaucoup plus loin dans cette notion d'action dans les jardins, dans les parcs et jardins? Et là, on n'est plus dans l'échelle seulement urbaine, mais on le verra dans les jours à suivre. On sera déjà dans le territorial, on l'est déjà aujourd'hui, bien sûr. Non, il est français, mais il travaille à Princeton. Yves Allambois a écrit un essai sur Serra et il dit que le pittoresque est une question de mouvement, le mouvement des gens et l'imagination. C'est un échange entre une personne qui peut s'arrêter et regarder quelque chose, mais il doit savoir quand il doit s'arrêter. Et par exemple, les folies ont été un mode d'arrêter et regarder cela, mais les folies disparurent un peu dans le 19e siècle, alors, à la fin aussi du 18e. Et s'il n'y a pas une folie, mais il faut arrêter quand même, regarder la vue et penser ça. Je crois que j'ai écrit trop sur le pittoresque, madame, et je ne veux pas vous donner tant de mes livres avant la happy hour. Je crois que le pittoresque a été mal entendu aujourd'hui, et ça doit être réinventer par exemple, quand le premier écrivain pittoresque, William Gilpin, est allé à Stowe, le jardin de Stowe, en 1947. Et ils sont deux personnes qui marchent sur le jardin. Et à chaque fois, il dit: qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre explique, et il dit non, et il discute. Et ça a pris presque une journée. Et quand je suis allé pour la première fois à Stowe, on m'a donné ce livre de The Dialogue in the Gardens of Stowe par William Gilpin. Et en suivant ce dialogue, ça a pris 9 heures de visiter le jardin. Parce que arrêter, penser, discuter, ça, c'est le pittoresque. Excusez-moi. C'est d'ailleurs, votre intervention est une belle introduction à tout le reste du colloque, en particulier la troisième journée. Merci. On s'intéressera à notre temps. Merci beaucoup.